Sur la Ligue de Bretagne, en charge du Pôle Espoir, et l'objet de ce matin là, par rapport à la thématique, c'est bien évidemment la prise de décision chez les jeunes, comment notamment à l'entraînement sur des situations qui vont être plutôt orientées autour du développement des fondamentaux individuels, mais comment réussir vraiment à favoriser ce qu'expliquait Maël, notamment le transfert dans le jeu, notamment en compétition. Moi, l'objectif de ce matin, c'est avant tout de pouvoir définir que voilà, on cherche dans le développement des comportements de nos joueurs, à mon sens, réussir à ce qu'il puisse y avoir une prise de décision dans le jeu qui soit de plus en plus efficace et surtout liée à des repères. Voilà, c'est pour ça que, notamment avec les jeunes du Pôle Espoir, et je pense que dans ces catégories-là, U13 et U15, on est plutôt sur la mise en place de concepts de jeu plutôt que de formes de jeu. Voilà, ce qui est un petit peu différent par rapport aux seniors et ce qu'on peut observer, notamment au plus haut niveau. Donc, c'est avant tout développer en fait, la technique individuelle au service du jeu. Alors, il y avait un célèbre entraîneur français qui date maintenant d'il y a quelques années qui disait la tactique pour un jour, la technique pour toujours. Moi, l'idée, c'est maintenant de pouvoir essayer de faire des ponts entre la technique qui va renforcer les habiletés tactiques de nos joueurs. Et moi, je reste convaincu que pour leur évolution, réussir à pouvoir s'adapter dans le jeu, ce sera la clé du joueur de demain, en fait. Donc, tout l'enjeu est là ce matin, de vous montrer quelques situations références qui peuvent vous amener des réflexions, qui peuvent vous donner aussi quelques références par rapport à ces situations-là. Et avant tout, parler un peu d'une philosophie d'entraînement, notamment d'essayer d'appliquer sur le Pôle Espoir depuis quelques années, parce qu'avant j'étais sur celui de Toulouse. C'est avant tout de pouvoir mettre en place des situations en fonction de deux axes. Pour moi, le premier point, c'est qu'il faut que ça soit adapté aux caractéristiques de notre public. Je vais parler un petit peu de ce qu'on appelle maintenant la génération Z, très brièvement, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui en fait sont en train de vivre avec les outils numériques, avec la digitalisation, notamment les portables. Et en fait, quand on regarde un peu le fonctionnement de ces outils, en fait, on a des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont abreuvés d'informations et donc qui en perdent aussi des fois le sens des priorités pour pouvoir sélectionner les bonnes informations. Et dans le jeu, c'est exactement la même réflexion entre un débutant, quelqu'un d'un peu plus confirmé et quelqu'un d'un peu plus expert. C'est que le débutant, il va être au départ un petit peu noyé dans toutes les informations qu'il y a à prendre sur le terrain. Le joueur confirmé, il va réussir à les identifier et à les classer. Et puis l'expert, il va pouvoir porter son attention sur les bonnes informations à prendre, que ce soit défensivement ou offensivement, pour pouvoir apporter les bonnes réponses et prendre les meilleures décisions possibles. Donc nos jeunes, ils sont en fait dans cette problématique-là par rapport à ce qu'on leur demande dans le jeu. Le deuxième point, à mon sens, c'est que le goût de l'effort a changé. Maintenant, il faut que ça soit lié à du sens, à l'aspect un peu plus ludique, à la notion de plaisir aussi. Et donc, ça nous interroge nous en tant qu'entraîneurs pour réussir à mettre en place des situations qui vont balayer vraiment ces trois registres-là. Et voilà, je suis encore plus convaincu dans ces catégories parce que maintenant, faire des situations un peu plus analytiques, alors même si on reste un sport de répétition et qu'on a besoin de travailler techniquement beaucoup, de répéter beaucoup, à mon sens, il faut rapidement le lier avec ces aspects-là, pour bien évidemment pouvoir aussi le transférer sur la dimension de compétition. Et le troisième point, c'est qu'on est un petit peu dans un système aussi où l'erreur, le droit à l'erreur, que ce soit dans mon système scolaire ou dans aussi un petit peu notre culture, est difficilement acceptable, au même titre que la réussite d'ailleurs. Je pense que vous avez tous suivi les derniers retours de notre président par rapport aux objectifs des prochains Jeux Olympiques. Voilà, on a un rapport à la réussite qui est quand même, je trouve, très particulier. Donc ce qui fait que ça exerce une pression supplémentaire pour nos joueurs par rapport au fait de prendre des initiatives dans le jeu, par rapport au fait d'être valorisé sur des réussites. Et donc forcément, je fais le lien avec, pour eux, la capacité à prendre des décisions avec un environnement et une pression, en fait, qui va forcément impacter la qualité des prises de décision. Parce que
y a forcément la technique qui va plus ou moins les limiter. Il y a leur capacité à identifier les situations et donc la connaissance du jeu, ce que j'appelle un peu l'intelligence situationnelle. Il y a les qualités physiques aussi. Et puis, bien évidemment, il y a la gestion un peu des émotions, parce que, prends l'exemple du lancer franc, par exemple, réussir à un lancer franc à l'entraînement, d'un lancer franc en compétition devant 800 personnes, mais pour eux, c'est complètement différent. Pour n'importe quel sportif d'ailleurs, mais encore plus chez les jeunes. Donc, moi, dans la réflexion, c'est plutôt essayer de construire les situations en tenant compte de ces caractéristiques-là. Et le deuxième axe, c'est la réalité du jeu. On est dans un sport d'enchaînement, de mobilité, de déplacement, de plus en plus. Maël en parlait tout à l'heure, les gens qui sont un peu spectateurs à l'arrêt, mais c'est difficile de pouvoir évoluer dans le jeu. Maintenant, dans un basket, déjà dans ces catégories-là, puis vers un plus haut niveau. Donc, moi, dans 95% du temps, j'essaye d'organiser les situations pour qu'il y ait un minima de 3 enchaînements d'action et surtout que les mises en place de situations soient faites déjà avec des déplacements. Je prends l'exemple du checkball 3-3. C'est vraiment une situation un petit peu référence que, au fur et à mesure, j'essaye d'éliminer du référentiel d'exercice que je peux mettre en place avec les jeunes du pôle. Et moi, ça me paraît important. Après, ça veut dire qu'il y a aussi de la complexité dans les déplacements. On est sur un petit terrain, sport d'opposition, avec aussi des adversaires qui peuvent arriver dans n'importe quel espace, dans n'importe quelle direction. Et donc, ça veut dire que ça fait référence pour moi à ce qu'on peut identifier en termes de vision centrale, ce qui va nous aider à prendre des informations plutôt de face. Et par contre, chez nos jeunes joueurs aussi, parce que je pense que c'est l'une des problématiques, à pouvoir vraiment utiliser leur peur de tête et exploiter la vision périphérique. Là, dans l'enseignement, je pense que c'est vraiment très important d'axer, nous, les retours, les feedbacks qu'on peut faire à nos joueurs sur le fait de réussir à anticiper dans le jeu. Et donc de connaître, dans les situations d'opposition, les solutions qui sont possibles. Je prends l'exemple de situations qui se retrouvent en U15, dans 90% des temps, le 1 contre 1 lancé. Voilà, un joueur va arriver avec de la vitesse pour déborder son défenseur. Dans cette situation-là, moi ce que j'observe de plus en plus, c'est qu'ils ne savent pas dans quelle solution, notamment de passe, ils peuvent avoir de la part de leur partenaire. Et ça, c'est problématique quand on parle d'anticipation dans le jeu et d'efficacité dans la prise de décision, notamment collective. Donc on va essayer de mettre ça en place ce matin. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de transmettre à nos joueurs, que les situations, il faut qu'ils puissent aussi pouvoir anticiper sur cette solution qu'ils ont. Donc, par rapport à ça, moi j'ai trois principes que je mets en place au quotidien avec des jeunes du pôle dans leur enseignement du basket. C'est un, vraiment travailler les fondamentaux avec d'abord du contrôle plus que la vitesse. Alors, je regardais tout à l'heure les jeunes filles s'exprimer sur le terrain. Je trouve que c'était sur des situations déjà très intéressantes. Mais ce qui leur manque, en tout cas pour moi, c'est cette capacité à pouvoir se contrôler au niveau moteur, au niveau technique, et puis au fur et à mesure, une fois qu'on développe cette qualité technique avec du contrôle, mais y rajouter de la vitesse, hein, de déplacement et d'exécution. Le deuxième point, c'est réussir vraiment à favoriser, comme je vous le disais, les enchaînements d'actions. Et donc se dire que quand il y a une action qui est en train de se dérouler, je suis déjà en train d'enchaîner une autre action. Alors il y a des situations typiques qui se passent, notamment en jeune, c'est que quand il y a un porteur de balle qui attaque, moi ce qu'on vérifie, et ce que vous pouvez prendre aussi comme repère pour vous entraîneurs, c'est vous assurer de voir les maillots des joueurs partenaires qui se déplacent à peu près en même temps. Et ça, c'est le fait de pouvoir jouer vraiment en même temps et d'avoir des déplacements offensifs qui permettent ce jeu de mobilité. Et le troisième point, c'est apprendre vraiment à être dans les bonnes décisions, dans le bon timing et le bon spacing. Je vais prendre une situation référence. On met juste un joueur ici. Je vais te prendre le ballon. Tu vas démarrer au bloc ici. Et tu vas contourner la chaise en essayant de curler. Tu vas en te rapprochant. Ok. Et ce qu'on voit, alors là c'est sur une situation d'écran du porteur, mais on voit beaucoup de joueurs se rapprocher pour pouvoir faire la passe. Là quand on replace avec des défenseurs, en fait on vient
compresser un peu les espaces, et tandis qu'à l'inverse, on va ouvrir avec un joueur qui va refaire la même chose, s'éloigner pour avoir un bon spacing. À l'inverse, et c'est des choses basiques, si le défenseur, on imagine, il déciderait de passer au-dessus de la chaise, tu irais plutôt te démarquer dans le point là-bas. Et donc, dans cette situation-là, vas-y, il faudrait se rapprocher. Et donc, ça, sur des éléments très simples, pour moi, ça me paraît déjà fondamental de réussir à exécuter ces actions-là dans le bon spacing et dans le bon timing. Et les problématiques, en tout cas moi, quand j'observe les jeunes dans ces catégories le week-end, c'est qu'ils ont des difficultés notamment à pouvoir s'exprimer dans le duel en contre-un et à se passer la balle pour ces raisons-là. Donc c'est l'enjeu aussi de tout le monde, je pense, je te remercie, et de pouvoir réguler ces situations-là. Donc le choix que j'ai pris ce matin, parce que 45 minutes c'est un petit peu court, on va pouvoir aborder l'utilisation du dribble avec eux, notamment sur des situations après de 1 contre 1, la passe. Et le troisième point sur lequel j'irai, ce sera également les situations de jeu sans ballon autour de l'attaquant de dribble. Donc on va débuter. Les 12 que j'ai identifiés tout à l'heure, vous allez récupérer un ballon chacun et chacune et un pot qui est là. Et puis vous allez pouvoir vous répartir un groupe qui va être autour du rang central et les autres dans les deux raquettes. Donc 4 ici, 4 là, 4 là-bas. C'est bon ? Allez-y, repartez-vous. 4 au milieu, 4 dans la raquette, 4 dans chaque raquette. Avec un flot, une coupelle chacun et chacun. C'est bon ? Alors il peut y avoir, mesdemoiselles, vous allez aller là-bas, les deux garçons, vous allez être ensemble, on va garder le groupe de garçons ensemble. Okay. Donc vous allez démarrer soit à l'extérieur du rang central, soit à l'extérieur de la raquette. Okay. Donc la situation, elle va être très simple. Vous allez dribbler avec votre main forte, et puis vous organiser pour pouvoir rentrer dans la raquette ou dans le rang central, avec déjà des attitudes fléchies, et essayer de poser le plomb en même temps. Okay. Dans chaque groupe, il va y avoir un joueur ou une joueuse qui va être identifié, d'accord, une fois que vous avez posé votre plomb, pour se replacer, et après annoncer un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Le repère pour les autres joueurs, c'est en même temps qu'on se replace en même temps, de pouvoir annoncer très fort. Okay. Le nombre qui est montré. Ça marche? Donc on vient dribbler, poser le col, le plomb en même temps, et en même temps se replacer, et un joueur annonce un chiffre, les autres joueurs annoncent le chiffre. On est bon? Ouais? Allez, go, c'est parti! Allez, go! Allez, enchaînez, chaque fois que vous allez récupérer votre pot, une fois que vous avez avancé, puis on fait quelques passages comme ça. Donc, l'objectif de cet exercice, au-delà des aspects techniques, c'est déjà être dans des capacités à prendre les informations et à se déplacer en même temps. Ça veut dire qu'il faut se coordonner, ça veut dire qu'il faut aussi prendre l'information de canon central parce qu'on est que dans l'axe. Et le petit jeu qui est un outil pédagogique de pouvoir annoncer un chiffre, c'est uniquement pour pouvoir, en fait, dans le déplacement technique, déjà prendre une information et travailler pour le faire. Okay. Et vous déplacer en même temps que le porteur de balle, poser sa coupelle dans un espace, se replacer, et après tu vas aller récupérer une autre coupelle, soit à ta droite, soit à ta gauche. L'objectif pour les autres, c'est de réussir à se déplacer en même temps, okay,
dans le sens où va Chloé. Si elle se déplace ici pour récupérer ta poubelle, tu vas aller vers où? Ouais, plutôt dans cet espace-là et inversement. Ok? On essaie au fur et à mesure de rajouter des attitudes et des changements de rythme. C'est-à-dire qu'on vient être fléchi, poser la poubelle, se replacer vite, plutôt face au jeu, parce que le jeu, ça va être de pouvoir identifier les plots, et derrière, de se replacer pour aller attraper un autre. Ok? On fait ça? Allez, go! D'incertitude. Donc ça veut dire que celui qui décide de poser le pot et de guider en fait les autres dans ses déplacements, il va avoir le droit aussi de temps en temps de pouvoir feinter. Ok, en sachant que l'objectif c'est de poser le pot en même temps, de se replacer en même temps. Ok, donc moi ce que j'ai regardé c'est ça, hein, voir 5 joueurs qui sont en même temps dans le rang central et qui s'extraient du rang central. Ok, et de pouvoir feinter d'un côté pour essayer d'attraper le pot de l'autre côté. Ok, allez go, on essaye. Allez. Bien, ok. Et en même temps, ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, bon, j'ai rajouté des déplacements qui vont être latéraux. À la fois, pour commencer à aborder un peu l'utilisation du dribble dans le monde en train, c'est-à-dire que pour pouvoir demander un joueur, il faut pouvoir. À la fois, c'est la profondeur du terrain, donc attaquer vers l'avant, mais aussi déséquilibrer le défenseur dans la largeur. Donc forcément, il y a cette notion, cette double notion-là à exploiter, avec la nécessité de prendre des informations autour de soi. Et ce qui est difficile pour les joueurs techniquement, c'est pas tellement à la fois pour les joueurs confirmés ou faire l'exploitation du dribble techniquement, c'est le faire sous des contraintes de prise d'information. Et après, avec une dimension d'opposition qu'on va rajouter. Ok, top. On fait une dernière évolution. On va le faire en combo. Okay. L'objectif, c'est de pouvoir réussir à poser une coupelle 5 fois dans le rang central. Et on garde toujours le même enchaînement. Il vient de dribbler, poser une coupelle, se replacer, par contre, aller en chercher une autre coupelle. Celle que vous voulez, il n'y a plus d'ordre dans le déplacement. Okay, ce n'est pas forcément à droite ou à gauche. C'est l'idée d'aller chercher la poupée le plus rapidement possible. Par contre, pour les autres joueurs, vous avez le droit, d'accord, quand vous n'avez pas votre poupée entre les mains, de venir chasser les ballons des adversaires. Okay, donc ça veut dire qu'une fois qu'on a posé la poupée ici, on choisit de s'organiser pour se replacer, peut-être gêner un adversaire et puis après aller récupérer une autre poupée. C'est bon? Premier joueur ou joueuse à 5. Allez, go! Ok. Donc là, par cette évolution, on rajoute la nécessité, je voudrais le préciser par rapport aux attitudes, de protection de balle avec le bras libre, de réussir peut-être les fois à se mettre de profil par rapport au jeu, tout en conservant l'information qui va être centrée sur les pots et sur le placement du jeu de poids. Allez, première sec. Ok, stop. Parfait, excellent. 5 là-bas. Okay. Vous allez en brancher sur une autre situation. Vous allez vous mettre par groupe de 3, avec 2 ballons par 3, il faudra 2 coupelles, par contre de couleurs différentes. Donc on peut faire un groupe, allez-y, restez à 4 pour les filles, ça va être très bien. Sur chaque quart de terrain, on est bon, vous restez par 4, c'est pas grave. On va mettre un groupe de filles, vous allez vous organiser là-bas, les garçons sur l'autre quart de terrain là-bas. On met un porteur de balle ici. Vas-y.
que tu vas poser le melon sur le côté, situé par rapport au panier, une joueuse avec la balle là, et après on va mettre une joueuse sans ballon mais qui va récupérer deux poubelles de couleurs différentes. C'est bon, on se met en place avec la même organisation sur les deux autres paires de terrain. Donc tu vas être plutôt ici. Donc une situation autour des 1 contre 1, après des reprises défensives. J'ai généralement dans les catégories du 13 et du 15, sur le jeu demi-terrain, une grande majorité des situations qu'on peut retrouver. En 1 contre 1, on va devoir avoir un temps d'avance et puis le défenseur qui va reprendre plutôt face à moi. Donc la situation elle est très simple, tu vas débuter avec une passe ici sur la joueuse, okay, et après venir te démarquer dans cet espace-là, okay, dans l'espace du joueur ailier à 45 degrés, donc pour des combos pairs, derrière la ligne à 3 points, okay, dans le prolongement de la ligne bleue. Au moment où elle fait la passe, okay, toi ton objectif c'est de poser les deux plots au sol et d'annoncer une couleur, okay, donc soit jaune, soit rouge. Okay, au moment où elle fait la passe, dès que le ballon part de ses mains. Okay. Et là, dans ce temps-là, derrière, tu vas devoir enchaîner réception sur un arrêt simultané face au panier et attaquer du côté de la couleur. Okay. Cette situation-là, on départ sur du 1 contre 0. Pour moi, elle est intéressante parce qu'elle elle travaille cette double intention. Un, de se déplacer dans un espace et deux, d'être en capacité de pouvoir anticiper sur l'action d'après. Ça veut dire que ton port de tête, il va falloir que tu l'organises pour prendre les informations sur les plots et pour que tu puisses dans la réception attaquer du bon côté. Okay, on finit par un tir en course, très simple. Et toi dans l'enchaînement, une fois que tu as posé les plots et qu'elle attaque, tu vas sortir ici, recevoir la balle face au panier et attaquer à l'opposé de là où elle attaque. Ok, on fait une démonstration. Alors on démarre avec le ballon. Alors, hop, on reprend. Est-ce que tu te rappelles à quel moment tu dois faire l'annonce? Tu t'en rappelles pas? Au moment où le ballon part de ses mains. Ok, on refait. Et en même temps, il faut poser les plots. Attends. On récupère les plots, étape par étape. Tu récupères les plots dans tes mains. Tu récupères les plots dans tes mains. Tu te replaces au corner. Au moment où le ballon part de ses mains, tu as deux tâches à faire. Poser les plots au sol en étant fléchi et annoncer la couleur d'un plot. Vas-y. Ok, boum, ça enchaîne, vas-y. Et tu sors. Ok. Ok. Hop. Donc, même situation, c'est de gommer les erreurs de marché. D'accord. On a parlé de quoi tout à l'heure par rapport au spacing. La joueuse, elle se rapproche de toi et ça, c'est déjà sur des situations à vide, des choses qu'il faut. Repérer, si elle se rapproche de toi, tu vas plutôt t'écarter un peu ici pour lui faire la passe. Normalement, pour éviter que ton défenseur vienne se rapprocher, okay, dans ce qu'on appelle la ligne de passe ici, okay, du 1 contre 1. Et pareil, en fonction de là où elle va réattaquer la deuxième. On se met en place là-bas et puis on fait quelques passages sur ça. Allez, go. On annonce quand le ballon part de main du passeur. Allez, go. Voilà, très bien, parfait. Ok, et ça enchaîne. Très bien. Ouais, bien. Ok. Allez, faites quelques passages. Ce qui est important chez les jeunes, c'est aussi au fur et à mesure, donc à partir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a mis du contrôle technique dans ce qu'on faisait, dans la réception, l'appel de balle, le départ en dribble, okay, de réussir à pouvoir enchaîner dans l'attraper. Okay, ça s'appelle attraper jouer. Donc si vous avez pris dans la situation, et on doit s'organiser pour ça, l'information dans le temps du déplacement et dans le temps de la passe, c'est-à-dire que l'intention ici, quand on s'est mis face au panier, c'est d'attaquer directement. Okay, donc de mettre un peu plus de vitesse dans l'enchaînement, attraper, jouer. Le repère du joueur qui, pour enchaîner la deuxième action qui est ici, c'est que dès que lui tu dois partir, il faut que tu organises tes appuis pour
te replacer ici et après attaquer à l'opposé. Ok, on fait ça là, t'es prêt? Vous montrez ça? Vas-y. Allez, go, voilà. Top, on reprend. À quel moment tu dois lancer? Au moment où le ballon part. Vas-y. Ouais, bien, ok, go, vas-y. Ok, c'est pas mal. Ok, bon, même situation, sauf que pour rajouter un peu d'incertitude, vous allez avoir le droit de prendre les coupelles, soit de les mettre dans le même emplacement, soit de venir croiser les coupelles. Donc d'essayer de masquer un petit peu l'information qu'on va donner, qu'elle soit le plus tardive possible. Ok, et derrière, on a le même enchaînement. C'est bon sur ça? Allez, go. Allez-y, essayez. Ouais, bien, ok. Allez. Ouais, bien, porte attention sur le marché. Bon. Vraiment, je pense que vous l'avez compris. L'aspect sur lequel il faut insister dans la prise de l'information et de décision, c'est de le faire dans le temps du débarquage, et donc d'être en capacité, aussi au niveau moteur, de pouvoir se déplacer dans un espace et prendre l'information dans un autre espace, qui pourrait être assez forcément d'action. Ok, top. Pour faire évoluer du 1 contre 1, on va conserver toujours, donc vous allez pouvoir sortir les coupelles du terrain. Conserver un porteur de balle qui va être ici, un passeur là-bas, et puis un porteur de balle qui va débuter dans le coin du terrain, donc il va être toujours dos au panier. Okay. Donc, on va dire remonte un tout petit peu du balle pour l'armement du coude de la raquette. L'enchaînement, ça reste le même, c'est-à-dire que tu vas faire la passe, sauf qu'au moment où le ballon va partir de ses mains, toi, ton objectif, c'est de remonter sur la ligne de passe. La ligne de passe, c'est la ligne entre le ballon et le passeur. D'accord ? Et à partir de là, on essaie de transférer la même, un déplacement, de remonter dans cet espace-là, et aussi d'avoir la pleine information par rapport à la reprise défensive. Okay ? Il y a deux intentions fortes à revenir pour vous, pour jouer la situation d'un contre un. Si le défenseur est loin de moi et que je suis en capacité de tirer, je tire. Si le défenseur se rapproche de moi, voire se jette sur moi, j'attaque. Ok ? Donc ça, c'est le premier temps d'un contre un. On le montre ici. Vas-y. Ok ? Alors, toi, pour reprendre, t'étais pas fou. Ouais. Donc tu vas défendre, pardon, avec les deux mains sur le col. Et essayer de gêner. Ok ? Sans dribbler. Vas-y. Ok. Allez, on fait ça tranquillement. Ok. Vas-y, prends et joue. Ok. Très bien. Parfait. Dès que l'action d'un contre un, là, on fait un petit peu marche arrière. Dès que l'action de 1 contre 1 arrive dans la raquette, okay, toi tu vas arrêter de défendre. Okay, parce qu'on va laisser le porteur de balle finir près du panier. Et tu vas te lancer la balle dans un espace libre derrière la ligne à 3 points. Okay, et derrière, il va y avoir une deuxième situation de 1 contre 1 à jouer. C'est-à-dire que toi tu vas devoir reprendre le porteur de balle, donc celle qui a défendu. Par contre, avec l'obligation de mettre un pied dans la raquette avant de reprendre ici. C'est bon ? On essaye, on le montre. Et après, tu vois en fonction de là où elle est placée. Dans les deux repères, elle est loin, tu peux tirer, elle se rapproche de toi, tu peux attaquer. C'est bon ? Vas-y. Ok, très bien. Vas-y, enchaîne. Ok, ça enchaîne. Très bien. Ok. Ok. T'es bon ? On fait quelques passages ? Allez, go. Allez, go, ça enchaîne. Après, il faut jouer sur le fait de les stimuler sur les transitions. Vous voyez, parce qu'il y a des repères qui sont simples et qui sont donnés par rapport au replacement défensif. Partir dans le temps de la passe. Et pareil, dès que le premier 1 contre 1 s'est terminé, que le passeur puisse reprendre et enchaîner avec ce changement de statut passeur-défenseur. Allez, on enchaîne.
Pour que ce soit aussi clair à la fois pour vous comme repère à identifier, tu vas te mettre en tant que passeur ici, tu vas répondre sur moi. Imaginez que je vais recevoir la balle. Ce qui est important d'évaluer, ce qu'on fait un peu moins là depuis tout à l'heure, c'est que dans le déplacement, l'information elle va être importante à prendre, non pas sur le passeur, mais sur le défenseur, pour que vous sachiez déjà dans la prise de balle et dans la réception, quel choix vous allez devoir faire pour supprimer le défenseur. Ça veut dire éviter qu'il puisse moi me déséquilibrer et surtout chercher un tir à 1.0, que ce soit extérieur ou que ce soit après une attaque en ligne. Donc il y a deux choses à regarder, la distance, okay, est-ce qu'elle est proche ou loin de moi, et après être en capacité de pouvoir aussi regarder ses appuis, et notamment l'orientation de ses appuis, d'accord, avec cette volonté de pouvoir attaquer plutôt l'appui qui est devant. Donc vas-y, tu veux décaler un petit peu tes appuis, voilà, pas. Décale un de tes deux appuis, comme ça, vers moi, comme si tu défendais. Voilà, exactement. Pour pouvoir vraiment regarder ça, dans le temps de la passe et dans la réception, être en capacité de pouvoir sanctionner ce positionnement défensif. Après, on parle souvent de venir attaquer à l'épaule du défenseur, pardon, à la hanche du défenseur, ici pour essayer justement de résister au contact et derrière de déborder. Donc on rajoute ça, et dans le déplacement on prend l'information, on essaye de vraiment donner la meilleure réponse possible en fonction de ces repères-là. Allez, go! Oui, bien, très bien. Ok, ça ressort. Il faut taille le fond. Ok, pourquoi pas. Très bien, ok. Allez, go, ça enchaîne encore une minute sur ça, faites quelques passages. On voit la difficulté en fait de réaliser deux actions en même temps. Quand je dis deux actions, c'est à la fois l'action technique, pour pouvoir s'organiser dans la réception et faire maintenant dans l'attaque en ligne pour pouvoir être efficace techniquement. Et la deuxième problématique, c'est par rapport également à la lecture de la reprise défensive, pour pouvoir faire le meilleur choix en fonction du placement du défenseur, mais aussi en fonction de mes capacités. Et l'idée, c'est aussi d'accompagner les joueurs à identifier leur point fort. Est-ce que je suis tout à l'heure, est-ce que je suis plus à l'aise main droite, main gauche? Et après, l'évolution suivante serait de pouvoir s'organiser dans son duel un contre un pour pouvoir aller sur ses points forts. Ok, top. Allez, on va conserver les quatre garçons ici. Vous allez mettre un porteur de balle à l'intersection là, du pointillé rouge et de la ligne de touche. Pareil en face à l'opposé. Un joueur sous le cercle, ligne de fond, et un passeur ici dans le demi-cercle là, du rond central. On conserve un ballon. Un seul porteur de balle. Mesdemoiselles, vous pourrez faire la même organisation là-bas et ici il y aura des rotations. On conserve la même intention par rapport à la prise d'information dans le 1 contre 1. Sur une deuxième situation de référence qu'on trouve très souvent dans ces catégories-là, qui est le 1 contre 1 lancé. Et plutôt soit dans le couloir central, soit dans l'espace qui va être à 45 degrés. Donc là, on va avoir une situation qui va permettre d'enchaîner les deux. Au départ, au moment où le ballon va être passé sur le passeur, vas-y, les deux joueurs vont devoir faire le tour des cônes ici de l'extérieur vers l'intérieur. Okay, au moment où ils arrivent à hauteur des cônes, toi tu vas décider de passer la balle à l'un ou à l'autre. Ça veut dire que ce joueur-là va attaquer, il remonte en marchant, et toi tu vas devoir défendre. D'accord. Le deuxième enchaînement à avoir, c'est que tu démarres ton ligne de fond, donc ici on est défenseur. Au moment de la passe, donc tiens, on va le refaire, allez. Au moment de la passe, vas-y, tu choisis. Ben, il faut que tu ailles défendre et chercher le porteur de balle le plus haut possible. Pourquoi le plus haut possible? Pour justement lui éviter d'exploiter la profondeur du terrain pour pouvoir attaquer et prendre de la vitesse. Ok, sans gêner. On essaye d'abord de défendre le duel 1 contre 1, mais il y aura possibilité en fonction d'avoir une prise à deux. Derrière l'enchaînement, donc on joue 1 contre 1 en fait plus 1. Donc toi, ton objectif, c'est de trouver une situation de tir ouvert. Ok, extérieur ou dans la raquette, comme tu veux. Derrière l'enchaînement, pour les trois joueurs, ça va être forcément et avec l'attaquant qui va changer de statut, donc défendre, et après un des deux défenseurs qui va devoir récupérer la balle.
Ok, quand vous récupérez la balle, montre ici, on va le faire en marchant. Vas-y, tu prends un tir, on imagine que tu as gagné ton duel. Ok, il y a un rebond des deux défenseurs. Ouais. Ok, ça veut dire que lui va attaquer. Ton objectif, ça va être de faire la passe ici et de faire le tour du pot de l'intérieur dans l'autre sens. Donc, la même chose dans l'autre sens. Dans l'autre sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Vas-y. Bon, la même chose vers l'extérieur. Celui qui a attaqué, c'était toi, il me semble. Ouais, tu vas aller ligne de fond pour pouvoir te replacer. Et toi, tu vas faire le tour du pot, pareil, pour chercher à le reprendre. Ok, donc ton objectif, c'est reprendre l'attaquant qui va être ici. Ok, on le montre ici, pas à pleine vitesse, mais avec ces enchaînements-là. Allez, allez, quand vous voulez. Allez, go. Ok, boum. Ok, un contre un. Très bien, rebond. Ok. Ça joue, ouais. Ok, vas-y, un contre un. Le deuxième défenseur doit défendre, hein. Faut que tu défendes. Ouais, faut que tu défendes aussi. Ok, c'est bon, c'est bon, dans l'enchaînement. Là, ce qui va être important pour vous, c'est deux choses. Réussir à anticiper sur vos statuts, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le passeur me fait la passe, ça veut dire que le joueur à l'opposé peut déjà anticiper pour revenir défendre. Et là, avoir cette capacité dans la passe à pouvoir lire la retraite défensive sous contrainte de temps. Parce que ce qu'on cherche en attaque, c'est avoir, je rappelle, un tir ouvert. Donc si on met du temps ici pour pouvoir attaquer, essayer de trouver un tir ouvert dans le 1 contre 1, ça va laisser du temps au défenseur pour pouvoir reprendre. On ne va plus attaquer un 1 contre 1, on va attaquer un 1 contre 2. Et pareil sur le deuxième temps. Okay, donc on essaie d'avoir des enchaînements qui sont vite. C'est bon ? Même chose là-bas, les filles. Allez, go ! Ouais, bien. Ok, go. Ok, juste au tir. Rebond. Celui qui gagne la main attaque. Allez, go. Ouais, ça joue. Ils sont en retard, ils gagnent. Ok, merci, messieurs. Allez, go. Après, vous tournez comme ça. Ok. Donc, allez-y, enchaînez, faites quelques passages. Donc cette situation de 1 contre 1 lancé, pour se rapprocher de la réalité du jeu qu'ils vont avoir à voir, et surtout on retrouve ces situations-là sur des fins du rapide, des buts de transition avec un défenseur qui revient par derrière ou légèrement sur le côté. Et aussi qui va rajouter une contrainte, comme je le disais, temporelle, de voir et prendre une décision rapidement et en 1 contre 1, aussi donner la meilleure des réponses pour justement éviter d'attaquer à 1 contre 2 ici. Le deuxième sens, c'est comme je vous l'ai dit, moi je pense que dans chaque situation, il faut un minima qui est un deuxième enchaînement. Donc une deuxième situation d'un contre-un différente, avec un nombre d'attaques différent. Allez, dernier passage, allez-y. Ouais, bien, voilà, prends les coups. Voilà. Vous voyez, la problématique, c'est celle-là, hein, de réussir à mettre un peu de trop technique, et puis... Notamment chez les garçons, à ne pas aller trop loin dans l'un contre un, attaquer sur le défenseur, mais essayer à déséquilibrer. D'abord dans la largeur et après attaquer la profondeur. Ok, top. Ok, stop. On va mettre les 8 jeunes filles ici. Les garçons, vous serez en rotation. Et on conserve 4 ballons. On va passer sur la thématique de la passe. Et on va s'organiser comme ça. Il y a 4 passeurs avec un ballon chacun et chacune. Allez-y, récupérez donc 4 porteurs de ballons. Et 4 joueurs sans ballon qui vont être une ici. Vas-y, tu peux te placer. Une là, et pareil à l'opposé au niveau de la raquette. C'est bon ? Les porteurs de ballons, vous allez vous situer. Pareil dans le prolongement, une ici à 3 points, une ici à 3 points, pareil à l'opposé. C'est bon ? Vas-y, tu vas être dans le prolongement du petit pointillé rouge à 3 points, pareil au corner là-bas. Okay. Donc, un exercice de passe à la fois pour travailler au niveau des fondamentaux. Donc, la situation, elle va être forcément avec des échanges de passe et des déplacements. Tiens, tu peux poser ton ballon.
et te mettre au pointillé rouge qui est ici. Vas-y. Tu vois, juste là, en face de ta coéquipière. Donc, il va y avoir des échanges de passes. Et donc, chaque fois, un échange de passes par espace. Et vous allez tourner dans ce sens-là. Okay. Par contre, il y en a une d'entre vous, ton prénom, Lina. Elle va décider du timing dans lequel on va tourner. Chaque fois que tu vas annoncer go, ça veut dire qu'il faudra faire un échange de passes, puis tourner. Ton objectif à toi, c'est de s'assurer que tes trois partenaires, elles soient bien dans le même espace et prêtes justement à recevoir la balle, faire la passe. Donc ça veut dire dans les déplacements, il va y avoir un échange de passes ici. Quand tu vas te déplacer, il va falloir s'organiser. Mais pour prendre un peu l'information à côté de toi, derrière toi, pour t'assurer que tes autres partenaires, elles soient prêtes à pouvoir faire l'échange de passes ici. Ok, on fait quelques passages. On y va? Allez, go. Alors, top, top, c'est ça. Venez, on le fait en marchant. Donc, une fois qu'il y a un échange de passes, on tourne dans ce sens-là, dans le spot. Les passeurs à l'extérieur vont rester fixes. C'est bon? On le fait en marchant. Vas-y. Donc, toi, tu vas aller où après? Tu vas aller où exactement? Tu vas aller là. Ok. Derrière, voilà, c'est s'assurer que tout le monde soit placé pour lancer la situation. Donc, normalement, là, les ventes en termes de positionnement, ce qu'on regarde, c'est bien évidemment la qualité technique, mais aussi le fait de pouvoir avoir quatre maillots se déplacer quasiment en même temps. Et donc toi, pour le moment, tu es responsable de ça, en fait. Okay, de pouvoir donner le timing aux coéquipières et de se déplacer pour les autres dans le bon timing. On y va? Allez, go! Vas-y, allez, ça enchaîne. Allez. Hop là, bien joué. Allez, vas-y, go! Allez, il faut parler plus fort. Allez. Alors on prépare ses mains, on met de la qualité dans les passes, de la vitesse et de la qualité dans les passes. Ok, allez, ça enchaîne, allez. Ok, allez. Alors, top. Ok, alors il y a deux choses à gérer. La première, pour les passeurs, et ça c'est des repères aussi qui sont un peu difficiles des fois dans ces catégories, c'est vous assurer que vous puissiez passer la balle quand la joueuse est disponible. En termes de prise d'information, en termes d'attitude, pour préparer ses mains, là tu peux déclencher la passe, parce qu'elle est disponible pour la recevoir. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut s'assurer aussi, aussi bien dans le timing, go, de pouvoir passer la balle et enchaîner directement. On est bon? Allez, go, on y va. Vas-y, Lina. Allez. Alors, on va pas quatre joueurs en même temps. Là, c'est mieux déjà. Ok. Allez, ok. Ouais, bien, allez, on essaie d'accélérer. Alors, dès que tu es placé, tu enchaînes. Bien, ok, allez. Bien. Bon, sur cet exercice-là, après, vous pouvez bien évidemment faire évoluer les types de passes. Ok, les types d'enchaînement. Ok, allez. Ok, top. On fait la même situation, on va garder les mêmes. Maintenant, vous retenez les déplacements. Quand on part de cette ligne de en bas, on monte d'un espace. Quand on est arrivé sur cette ligne-là, on vient croiser dans la diagonale. Par contre, il faut se croiser sans se toucher. Et en essayant justement de ne pas s'arrêter normalement ici, parce qu'il va y avoir un peu de trafic, et de pouvoir prendre des informations et éviter les joueuses avant de se replacer. Okay, donc en gros, ça va faire ça. Je pars d'ici, je monte là. J'étais ici, je vais dans la diagonale, en bas. J'étais en bas, je remonte, et toi tu vas aller exactement. Ok, on essaye de faire ça? Ouais, tu continues à dire go. Ok. Allez, go. Allez. On va se déplacer en même temps, parce que je regarde, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Allez, ça enchaîne. Encore 30 secondes. Bon, ça sert pour vous donner un référentiel, un exercice que j'ai fait avec les jeunes du pôle, c'était mardi soir. Justement pour, et notamment début de saison, pour aborder un peu forcément des notions un peu collectives de déplacement ensemble, de réussir à collaborer et surtout d'avoir les mêmes repères communs. Parce que l'annonce c'est une chose, on arrive dans des catégories où des fois il y a des annonces d'enchaînement d'action, des annonces un peu de collaboration, notamment sur des grands porteurs, des entrées au principe de jeu qui sont annoncées, et pareil des fois sur des stratégies défensives, donc la communication doit les aider à ça.
Et également, pour pouvoir signer à une note plutôt vocale, donc ça sera visuel, et essayer à pouvoir se déplacer en fonction du signe. Okay. Ok, top, très bien. Pour finir, bon, maintenant on va voir que il faut que je respecte le timing, donc je vais m'y atteler. On conserve donc 4 joueuses ici, avec un ballon pour deux, et après on met une joueuse ligne bleue ici, une joueuse ligne bleue et ligne bleue là. Sans ballon. Allez, go. Une ici, une là-bas, une là-bas. C'est bon, donc on va mettre les ballons là. Donc deux porteurs de balle ici, deux joueuses sans ballon, pardon, là-bas. Votre objectif, quand vous êtes à deux, c'est bon, les ballons ici, vas-y. Okay. Vous allez être à deux, ok, à chaque fois à deux contre un. Votre objectif, c'est, sans vous faire, avec des échanges de passes, toucher le ballon par les défenseurs, aller mettre un panier là-bas, ok, à 2 contre 0. Vous en défense, vous ne pouvez vous déplacer que sur la ligne bleue, et vous voyez, jusqu'au prolongement du bordure de la raquette, ici. Donc l'intention, c'est de pouvoir justement essayer d'être sur les lignes de passe. Okay. Et on s'organise comme ça, pour traverser avec des passes, et vous allez être autorisé, là vous l'ajustez en fonction du niveau de votre équipe, de vos joueuses et de vos joueurs, en autorisant 1, 2 ou 3 dribbles entre chaque intervalle. Là vous allez avoir droit, chacune à un dribble dans l'intervalle, donc il y en a un ici, un deuxième là, un troisième là-bas, un quatrième là-bas, okay, pour pouvoir avancer. On fait une démonstration? Allez, quand tu veux, vas-y. Ok, allez, 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 ok, très bien, s'enchaîne, très bien, ok. Allez, deux autres s'enchaînent. Ok, alors en défense, il faut être plus actif. Ok, on cherche à toucher les ballons. Vas-y, s'enchaîne, allez. Quand vous avez fait la traversée, on repart d'ici, on refait ça dans le même sens, dans l'autre sens. Ok. Allez, go, c'est parti. Ok, top, très bien. Maintenant, tiens, vous faites marche arrière ici, les filles, les deux qui attaquaient. Là, on a un petit peu abordé tout à l'heure par rapport au fait de casser les alignements. Okay, ça, c'est une des notions fondamentales, de ne pas se retrouver entre le défenseur et son partenaire. Donc ça veut dire qu'il faut pour toi se déplacer en fonction du défenseur et de ton partenaire. La deuxième chose, c'est que en termes d'intention de vol, c'est important de pouvoir utiliser le dribble s'il n'y a pas de passe, vas-y avance un tout petit peu, qui est ouverte avant. S'il y a une passe, il faut que la fasse. Okay, parce que ça va accélérer le jeu et faire avancer le ballon vers l'avant. Par contre, vas-y avance un petit peu, utilise sur la ligne de passe. Là je vais utiliser le dribble. Pour supprimer le défenseur et avancer. Okay, donc le dribble, on l'utilise uniquement pour ça. Okay, si on n'a pas de solution de passe ouverte avant. Okay, on refait de là-bas, dernier passage. Allez, et en défense, on est active. Hein. Allez, allez, vas-y, voilà, ok, allez. Ouais, alors on reste. Allez, on cherche à toucher les ballons. Ouais, ok, bien. Ok, go, deux autres, allez. Après, ce que vous pouvez varier, c'est l'espace d'intervention des défenseurs, notamment dans la profondeur. Ils aient un espace arrière à défendre aussi, un espace avant sur lequel ils peuvent aussi intervenir. Ok? Sébastien, est-ce qu'il me reste 2 minutes? Non, on n'est pas là. Okay. Ouais? Ok, bon, super. On va finir par une situation 3 contre 3, juste pour resynthétiser ce qu'on a vu depuis le début. On met 3 joueuses plutôt blancs pour finir. Une ici, une là-bas dans l'aile, une là-bas dans l'aile aussi. Ok, je vais récupérer le ballon et on va mettre 3 défenseurs qui vont être une ici sans ballon, une ligne bleue dans l'axe et une ici. Donc il y a 3 noirs, c'est parfait. Tu vas être en défense. Donc celles qui sont en attaque sont à l'extérieur des 3 points, celles qui sont en défense sont dans la raquette. Vous allez vous déplacer comme ça, mais uniquement sur soit des pas chassés, soit des petits pas en avançant. Ok, dans ce sens-là. C'est bon? Pour vous 3 en défense. Ok? Moi, je vais faire sortir la balle, et c'est un exercice que vous pouvez reprendre aussi, en faisant rouler la balle vers une des 3 joueuses. D'accord? Votre père, c'est récupérer la joueuse la plus proche, faire une reprise défensive pour pouvoir contrôler la joueuse, donc essayer de la perturber dans sa prise d'information, pas donner trop d'espace non plus, ok, pour qu'elle puisse vous attaquer. Et reprendre derrière. Donc vas-y, on va le montrer ici. Vas-y, tu reprends. La joueuse, ici, être à une passe
de la balle, donc tu vas monter sur la ligne de passe et puis à l'opposé être dans les appuis défensifs. Le repère c'est l'axe panier-panier. C'est un pied plutôt ici. Et derrière en fait on le joue à 3 contre 3. La situation elle est très simple. Plus le ballon va se rapprocher de vous, Mandy, tu vas attaquer par le milieu par exemple. Okay. Plus tu vas essayer justement de lui donner de l'espace et une ligne de pas. Donc plutôt d'aller vers vous. Ouais, plutôt de t'écarter. Pareil pour toi, ton objectif est de casser l'alignement pour qu'elle ait de l'espace pour attaquer, donc tu ne ramènes pas son défenseur sur elle, et qu'elle puisse avoir une ligne de passe. Ok, fais un ou deux passages sur ça. C'est bon, je prends le ballon. Allez, on se déplace en défense. Allez, allez, on est en mouvement. Voilà, ok. C'est bon, en attaque, on est prêt à jouer. On est prêt à jouer en attaque. Allez, go, ça. Ok. Ok, donc quel est le danger? Où est le danger? Ça c'est primordial dans ces catégories qui sont en capacité de pouvoir identifier ça. Déjà des 8 fesses. Quel est le danger en défense? Le ballon, c'est le ballon qui rentre dans le panier. Donc ça veut dire que si le ballon est ici, où tu peux te situer pour contrôler le danger? Ouais, dans les aides, pour justement que quand elle reçoit la balle, elle voit que derrière il y a quelqu'un qui va peut-être pouvoir intervenir, okay, pour pouvoir éviter de donner un panier facile. C'est bon? Les mêmes, allez, on fait un dernier passage sur ça. Donc, une situation en défense, allez, on se déplace en défense. Ou en défense, vous devez voir la balle. Hein. Votre objectif, c'est de sortir en même temps que le ballon. Allez, allez. Ouais, et faut enchaîner derrière. Ok, très bien. Ok, très bien, rebond. Ok, dernier passage. C'est bon, allez, les mêmes en défense. Ok, allez, bon. Allez. Ouais. Ok. Terminé par un choix qui pose débat. Attaquer face à un défenseur qui est déjà dans la raquette, est-ce que c'est le meilleur choix ou pas? Ça se déroule. Avant de finir, de conclure, déjà les remercier, je pense qu'on peut les applaudir pour la qualité de l'intervention. Merci à vous, monsieur Demoiselle. Et puis maintenant, je reste disponible pour quelques questions, que ce soit maintenant ou après l'intervention, si vous en avez. Sur la première situation là où tu les fais remonter et attraper, tu leur demandes d'être simultané, orienter les appuis orientés vers le panier. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui demandent d'être plutôt avec les appuis pour attraper, jouer? Alors la situation que j'ai montrée, c'est effectivement sur un arrêt simultané. Après, ça peut être sur différents types d'arrêts, alternatifs notamment. Ce qui semble pour moi prioritaire, c'est en fait essayer d'anticiper dans la situation et d'organiser ses appuis, donc sa motricité, pour pouvoir être plutôt orienté face au jeu, parce que le jeu va se passer ici, et gagner ce temps-là d'avance par rapport à un contre un. Dans les jeunes, on voit souvent, tiens, je vais prendre ton ballon, et c'est les débutants qui font ça, tu vas être en tant que passeur, on va faire la même situation tout à l'heure, remonte un tout petit peu, qui sont focalisés sur la balle. Donc les déplacements et les comportements qu'ils ont, voyez, c'est recevoir la balle face au passeur, et après s'orienter. Les joueurs au supérieur, il faut qu'ils arrivent dans leur déplacement à pouvoir faire encore les deux, et gagner ce temps-là d'avance dans le jeu. Après, la qualité de réception, ça va dépendre du joueur déjà par rapport aux appuis sur lesquels il est le plus confortable. Voilà. Ça, c'est au choix du joueur pour vraiment qu'il puisse être sur ses points forts. Et aussi en fonction de la distance et du replacement du défenseur. Et moi, j'estime que c'est vraiment déjà sur cet aspect-là qu'on peut gagner du temps d'avance et qu'il faut insister, enseigner à nos joueurs à pouvoir déjà se replacer face au jeu quand c'est possible. Il y a des fois, c'est pas tout le temps possible. Enfin, quand on est contesté, on est repoussé sur une ligne de passe, mais là, on organise ses appuis différents. Et là, vu qu'on a du temps, on essaie de gagner ce temps-là. Oui, alors Sébastien parle de l'attraper jouer, ouais. C'est vrai, l'expertise, mais c'est l'étape d'après, de réussir dans la situation de réception, à déjà avoir évalué la reprise défensive et à pouvoir enchaîner une action de tir, de dribble, voire de passe aussi. Alors ça c'est difficile chez les jeunes à faire comprendre ça. Et on va mettre une joueuse ici, une en défense, un en défense ici sur moi. Allez. Parce que de plus en plus maintenant, là on le voit un peu au niveau, les défenses elles prennent
rentrer la balle. C'est là où il mangeait. Donc tu vas rentrer un petit peu. Vas-y. Allez. Ok. Là, tu bouges. Et on voit très souvent ça. Les joueurs qui vont venir. Bon. Un côté, tu dis qu'il y a peu d'espace. Et bon, tu veux renseigner ça. Attraper et jouer sans évoquer l'enchaînement attraper, passer. Et moi, je reste convaincu que quand le joueur évalue la situation d'un contre un, qu'est-ce que tu peux faire par la pointe de ta défenseur ? Ouais. Soit ça. Très bien, exactement. Et donc faire la passe dans le dos. Ou. Vas-y, attends. Non, te rapproche pas d'elle, sinon elle va pointe. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire ? T'écarter, top. Voilà, top. Et avoir ce retour de passe rapide. On le voit beaucoup sur les situations d'extra-passe, de deux contre un, parce que c'est plus simple à lire. Après, à égalité numérique, c'est toujours mais la volonté de trouver le joueur libre, et des fois, dans l'enchaînement, ça va être sur du attraper-jouer directement. Et attraper-passer, pas. Merci. Écoutez, merci à vous pour votre disponibilité, et puis c'est bonne continuation, bonne reprise de saison aussi. On a vécu deux années un petit peu particulières, donc je pense que tout le monde a hâte de pouvoir reprendre le coaching. Donc très bonne saison à vous tous. Et merci.